Alors, je m'appelle Roland Erabedian et je dirige l'ensemble Musique à 13. Donc, mon rôle en tant que directeur artistique, c'est d'être au fait de la création, d'imaginer des programmes, d'imaginer des concepts de concerts, d'imaginer beaucoup de choses qui nous permettent de rendre l'ensemble toujours le plus pertinent possible. Si vous voulez, Musica 13 est un ensemble qui est connu pour les créations qu'il fait. On fait beaucoup de créations contemporaines. On en commande chaque année un certain nombre. Évidemment, on ne fait pas que ça. On met les œuvres en regard les unes des autres parce que c'est important de montrer que le passé et le présent sont liés. Donc, ça nous arrive de faire de la musique dite classique, liée à de la musique classique, mais d'aujourd'hui, si vous voulez, de la musique savante, mais qui est composée aujourd'hui par des compositeurs qui sont parfois de jeunes, très jeunes compositeurs. Alors, la salle Musica 13 est une salle est une salle nouvelle dans Marseille, hein. Finalement, elle est là depuis 2013, c'est assez peu. Elle commence à être repérée des Marseillais, mais on souhaite qu'elle le soit davantage. C'est une salle de 200 places et nous y accueillons des grands artistes. Et tous s'accordent à dire que c'est une salle qui est avec une proximité du public qui est très intéressante de ce point de vue-là. Je suis Jean-Marc Heim, je suis claveciniste, donc chef d'un ensemble et directeur artistique d'un festival à Marseille qui s'appelle Marsan Baroque. Alors, le festival Marsan Baroque, c'est un festival, comme son titre l'indique, qui se déroule au mois de mars et qui est consacré à la musique et à l'art baroque en général. Enfin, c'est principalement de la musique, c'est-à-dire des concerts, mais aussi des conférences et des fois des choses un petit peu plus inhabituelles comme du cinéma. Des spectacles avec de la danse ou du théâtre, des spectacles aussi, des choses autour de l'art visuel, dans les musées, etc. Voilà, c'est un festival assez pluridisciplinaire, mais la base, c'est quand même une série de concerts durant tout le mois de mars. Concerto Soave, c'est l'ensemble donc, que je dirige depuis pas mal d'années maintenant, plus de 25 ans. C'est un ensemble à géométrie variable qui a été créé au départ pour redonner vie à la musique italienne du début du XVIIe siècle, la musique du Seicento. Après, c'est un ensemble qui a évolué évidemment et qui a enrichi son répertoire. Et maintenant, évidemment, on s'attache à redonner vie à un petit peu toute la musique baroque, la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. Et même de temps en temps, on fait des incursions dans la musique contemporaine avec certaines créations. La rencontre entre Concerto Soave et Musica 13 date d'il y a assez longtemps, puisque je connais personnellement Roland Erabedian depuis longtemps. Donc, il m'a plusieurs fois intégré dans des programmes de l'ensemble. Entre autres, on a fait pas mal de créations pour l'ensemble vocal avec une partie de clavecin qui a été spécialement composée pour moi. Donc, j'ai eu de la chance. Il y a quelques années, Musica 13 s'est installée dans ses murs, rue Grignan, donc avec les bureaux d'un côté et la salle de concert de l'autre. Il nous a proposé d'être résidents associés, donc nous louons une partie des bureaux et nous avons l'usage de cette salle magnifique dans laquelle nous pouvons faire des créations. Ce qui nous a permis aussi d'élaborer plusieurs programmes en collaboration, donc pour confronter à la fois la musique baroque et la musique contemporaine. Donc ça élargit un public et puis ça donne aussi peut-être une autre approche de la musique contemporaine qui est des fois un petit peu difficile pour certains publics. Et à la fois, ça permet de faire découvrir un public de la musique classique, de la musique baroque, des créations contemporaines vers lesquelles peut-être ils ne seraient pas allés spontanément. Donc voilà, ça enrichit à la fois le public et le répertoire. Je m'appelle Anne Périssé-Dipréchac, je suis chanteuse. Moi, j'ai commencé la musique très très petite, j'avais 6 ans. Et puis j'ai été passionnée par le chant parce que j'ai commencé à faire de la musique en chantant. Et donc j'ai continué depuis tout ce temps-là à chanter. Donc je suis soprano, donc je chante plutôt des parties aiguës.
J'ai toujours fait de la musique avec les autres, donc la musique polyphonique en chœur, c'est quelque chose qui me passionne. Je travaille avec Roland Hérébédian depuis presque 20 ans maintenant. Voilà, j'ai commencé avec lui tout de suite après mes études et voilà, je suis toujours avec lui. La pièce d'Astralis, elle est intéressante parce que justement le temps s'écoule et dans un espèce de... C'est comme si le corps se ralentissait aussi beaucoup. Et il y a quelque chose qui est un peu... On est dans un autre temps avec cette musique-là. Alors que le Haydn est beaucoup plus corporel et beaucoup plus présent. Le texte est très 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 important et on doit le porter. Dans Astralis aussi, le texte est important, mais on est moins dedans en fait. On est dans une idée générale du texte et du sens, alors que dans Haydn, on est direct dedans et on doit pouvoir le jouer, être un peu plus dedans. C'est un concert qui présente de multiples aspects, aussi bien quelque chose d'un peu théâtral comme les Haydn, mais aussi des pièces instrumentales, donc qui sont très intéressantes à entendre, et notamment les parties de violoncelle qui sont très, 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 très belles. Et aussi cette pièce contemporaine qui nous emmène dans un autre monde, qui permet peut-être de s'évader un peu et qui, voilà, qui nous sort de ce monde-là. Dans le cadre du festival Marsan Baroque, nous faisons ce concert-là que nous partageons avec Concerto Soave, puisque Concerto Soave a fait la première partie avec quatre de nos chanteurs de musique à 13 sur un programme Haydn, avec le violoncelliste qui, là, pour l'occasion, va jouer du violoncelle baroque, et puis Jean-Marc Hems qui sera au clavecin. Astralis, c'est le nom de la pièce de musique contemporaine qui sera jouée en deuxième partie, une pièce d'un grand compositeur allemand actuel qui est Wolfgang Grimm. Il se trouve que dans cette pièce interviennent un violoncelle et des timbales.
Et cette pièce est basée sur un texte d'un grand poète de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, un grand poète allemand qui est Novalis. Et on a essayé d'associer donc cette pièce de musique contemporaine, puisque ça s'intégrait dans un festival de musique baroque, avec de la musique du XVIIIe siècle, de la musique de l'époque de Novalis. Ce qui a dicté notre choix de faire une première partie qui est dédiée à Haydn, Joseph Haydn, grand compositeur donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui a croisé Novalis, et donc de la musique vocale de Haydn, et aussi une petite incursion un petit peu plus tardive avec de la musique de Beethoven, une pièce pour violoncelle, puisque nous avions un grand violoncelliste parmi nous, Frédéric Audibert, donc une pièce pour violoncelle et clavecin, donc du jeune Beethoven. C'est à la fois étonnant, enthousiasmant parce que c'est que de la musique vraiment exceptionnelle, que ce soit Haydn, Beethoven ou Wolfgang Grimm. Dérangeant peut-être aussi pour certains publics, mais il faut déranger quand on est dans la culture et dans l'art, il faut déranger aussi pour amener à réfléchir. Et puis je pense que ce sera un très grand moment aussi de beauté, et ça on en a toujours besoin, parce que comme je vous le disais, la musique est absolument sublime. Et les interprètes, en tout cas du côté du violoncelliste, de la percussion et de l'ensemble vocal, sont tout à fait exceptionnels. Donc je pense que ça va être une soirée assez exceptionnelle. Thank you.
Yeah.